Ma country people. My country people, Nakapua here don't come. I don't come today for say make we talk small country talk today. Talk for today na weti. My country people. As una fisi, Kapua here don't change look for today. It is on our tricot for la period de Mbanga we na no. We don't pass away for long time. So, ma country people, j'ai voulu faire ce Facebook like un peu très rapide comme ça. Je vous ai annoncé le Facebook like, ça fait 30 minutes. C'était une urgence. Il fallait absolument que on essaye de parler concernant. Vous savez, nous avons deux grands événements qui sont en vue. Il y a d'abord, nous allons commencer avec la manifestation du Canada. Vous savez, il y a une très grande marche au Canada le 4, c'est-à-dire samedi prochain à Montréal. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous suggérons de prendre quelques secondes pour vous abonner en cliquant simplement sur le bouton s'abonner et par la suite d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures publications. Je profite ici pour demander à tous les combattants du Canada. Vous savez, le Canada, c'est un autre continent. Chers combattants de l'autre côté du Canada, vous avez le devoir et l'obligation de vous mobiliser pour vous retrouver tous à Montréal. Vous devez frapper fort ce jour-là, parce que à Montréal, ça sera un grand rassemblement pour démontrer encore à ce régime que à ce régime satanique que le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. La diaspora est toujours prête à se mobiliser. Et je remercie ainsi tous ceux qui ont eu l'initiative de lancer cette manifestation à Montréal. Et je passe ici pour interpeller tous les responsables de la brigade anti-Sardina au Canada de se mobiliser derrière ce grand événement. Mobilisez-vous, sensibilisez. On a encore du temps. Nous avons encore 6 jours devant nous pour faire vraiment le plein à Montréal, dans les rues de Montréal. Je connais comment vous faites souvent vos choses là-bas, de manière très professionnelle, avec une voiture sonorisée, avec les images qui montrent comment la dictature se passe dans notre pays. Et c'est une façon de manifester que j'ai toujours beaucoup apprécié. Et je profite ici pour une fois de plus dire à tous les combattants du Canada, le Kapua Rie vous invite massivement à ce grand rassemblement à Montréal, s'il te plaît. Soyons nombreux là-bas. Écoutez, le combat que vous voyez là, c'est vous qui faites ce combat. Et si vous ne sortez pas, croyez-moi, c'est vous qui allez tuer le combat en diaspora. Il faut sortir pour démontrer à ce régime que nous sommes encore là, que nous sommes des indomptables de la résistance. Nous sommes les infatigables de la résistance. Nous sommes des tortues ninja de cette résistance. Les sumons nébisiques de la résistance, Naoui. C'est-à-dire, si vous attendez qu'on va se fatiguer, vous attendez longtemps. Nous sommes préparés jusqu'à ce que ce régime tombe. Et c'est le même esprit que les gens du Canada ont. J'ai pensé, il fallait que je passe un saut là-bas au Canada. J'ai encore vu les tortues que je suis souvent victime lorsque je dois me déplacer. J'ai dit, bon, je vais lancer... j'ai commencé à vouloir lancer le visa pour le Canada. Et je me rends compte que on me dit, le moment de la procédure est tard. J'ai lancé... C'est-à-dire que ça prend 15 jours pour étudier du dossier. Moi, je savais que c'est les choses que je lance directement. Et puis, je suis la procédure. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué comme ça. Vous savez, je vous ai toujours dit, j'ai toujours mon passeport. Et puis, je n'ai pas un passeport anglais pour me déplacer facilement. Mais de plus en plus, je vois que pour l'intérêt supérieur de ce combat, il faut que je vois, je réfléchis déjà sur ce plan-là. Comment est-ce que je peux me déplacer facilement? Parce que se déplacer, pour moi, ça devient compliqué. Il faut réfléchir. Et avant, je le faisais facilement, mais aujourd'hui, ça devient compliqué. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là n'est pas le problème. J'ai dit ici, et j'invite tous les combattants du Canada, il y a certains combattants qui vont quitter de l'Allemagne pour le Canada. Il y a le
le brigadier Njoko qui m'a dit qu'il doit se déplacer. Donc, il y a des combattants qui arrivent. Et vraiment, chers combattants, déplacez-vous. Je sais que le Canada, c'est tout un autre continent. Mais, c'est... Attends, les gens sont en prison. Mais vous, vous êtes libre de vous déplacer. Qu'est-ce qui va t'empêcher de quitter Toronto pour aller à Montréal? Qu'est-ce qui va t'empêcher de quitter de l'autre côté à Alberta pour aller, je m'adresse ici, à partir de Ngassam et toute l'équipe d'Alberta là-bas? Qu'est-ce qui va vous empêcher d'aller à Montréal? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qui va vous empêcher d'aller à Montréal. Hein? Vous voyez? Il faut aller, vous devez vous déplacer, aller à Montréal. Vous ne venez même pas seul. Vous partez de Alberta, de Toronto, de Québec, et avec des gens derrière vous, vous partez à Montréal. Il faut dire aux Canadiens ce qui se passe dans notre pays. C'est aussi l'objectif de ce que nous faisons là. C'est de sensibiliser les populations dans les pays où nous habitons. Que voilà ce qui se passe dans notre pays. Ne croyez pas qu'il n'y a pas des blancs qui sont sensibles aux choses qui se passent, de l'injustice qui se passe dans nos pays africains. Ils sont nombreux qui sont sensibles. Ah oui, mais quand vous voyez un député, par exemple, en Suisse, qui dit qu'il s'en va faire des pétitions pour qu'on dise à Biden de ne plus venir là-bas, et c'est un Camerounais, c'est un député suisse. Il y a des même quand Mandela était en prison, il y a des gens, comme Paul Simon, c'était des artistes, c'était les blancs. Ils se battaient contre l'apartheid. Donc, ne croyons toujours pas que c'est tout les... L'UPC que vous voyez là. L'UPC, c'était l'initiative d'un Français. L'UPC, le parti UPCiste là que vous entendez. C'est un syndicaliste français qui a vu ce qui se passait au Cameroun et a émis l'idée que non, il fallait que les Camerounais se regroupent en syndicat pour lancer ce mouvement. C'est ça, c'est un Français. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est anglais ou français ou canadien ou ceci, il sympathise souvent et il booste souvent le combat. J'ai dit, il faut toujours, il faut qu'on ait, je préfère encore qu'on ait ce genre de personnes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des politiciens, mais qui sympathisent comme ça, ils sont souvent dans les rues avec nous. Il y a une Suissesse là, Rebecca, quand moi j'ai parté à Genève, après souvent je la voyais avec moi, elle n'est pas camerounaise. Tellement elle voyait que c'était très très mauvais ce qui se passait, c'est-à-dire qu'elle connaissait l'histoire du Cameroun et ça. Elle venait souvent me voir, elle dit vraiment je soutiens ce que tu fais là. Donc, une façon de dire, chers combattants du Canada, moi je sais que vous serez nombreux là-bas. J'ai vu des lives, les pampas mamies, je les appelle tous les pampas mamies, c'est comme ça que moi j'aime les appeler, avec les hontis, et vraiment j'ai vu tous vos lives, les Ida la Camerounaise, vraiment, je vous dis merci pour cette mobilisation-là, et je pense que vous devez continuer dans ce sens pour que les Camerounais de l'autre côté du Canada se mobilisent pour être à Montréal, vraiment. Ça c'était pour la mobilisation de la Grande Marche du Canada. Ici, nous allons passer immédiatement avec le conseil du général Vassero. Le conseil du général Vassero, déjà, à tous les combattants de Paris, chapeau, je vous tiens un coup de chapeau. Je suis en train de voir le travail que vous abattez de l'autre côté. Vraiment, je vous tiens un coup de chapeau. Continuez comme ça, nous allons faire le plein du zénith. Le plein du zénith. Écoutez, Vassero, ce n'est pas seulement un artiste camerounais. Pour ceux qui suivent Vassero, quand Vassero va à Côte d'Ivoire, regardez quand Vassero va à Côte d'Ivoire, tous les jeunes sont toujours autour de lui. Les jeunes là-bas sont autour de Vassero en Côte d'Ivoire. Vassero, quand il va, en général en Afrique de l'Ouest, là, surtout au Burkina Faso, alors c'est... Mais attends. Mais pourquoi nous, on ne peut pas... Pourquoi nous, on laisse souvent nos stars... C'est ailleurs qu'on les acclame. Mais nous-mêmes, on laisse nos stars tomber. Vassero, ce n'est pas n'importe qui. Donc, le conseil de Vassero, là, c'est un conseil des Africains. Nous, on doit tout faire pour faire le plein. Et c'est un devoir, c'est une obligation pour nous. Vous savez, tout ce que Vassero a donné dans cette lutte, il a
tout donné. Il a sacrifié tout. Sacrifié sa famille. Sacrifié tout dans la lutte. Sacrifié son boulot. Nous avons le devoir et l'obligation de lui remettre. Lui dire merci, papa Vassero. Et la seule façon de le faire, c'est de faire le plein du zénith. Le plein. C'est-à-dire que c'est plein au point où il y a encore les gens dehors, les mecs petits écrans. Ils vont voir ça étant dehors. Attends, comment on peut dire merci à Vassero? Dites-moi vous-même. Attends, ok. Comment est-ce qu'on peut dire merci à un artiste à la trempe de Vassero? Avec tout ce qu'il donne pour la lutte. Il n'y a que d'aller le soutenir, d'aller acheter le ticket, Moi, j'ai acheté mon ticket. Après, j'ai dit, non, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait au VIP? Moi, je serai au Shabbat. Je dois être au Shabbat là-bas. C'est là-bas que moi, je serai. Je ne peux pas aller au VIP là-bas. Le VIP là-bas, c'est pour les tétés. Non, je vais aller au Shabbat. J'ai acheté le ticket avant de dire que non, moi, je veux que le... Comment, je n'ai pas fait quoi en haut là-bas? Donc, je serai là en bas en train de danser avec, en face, live avec Vassero. Quand vous voyez un gars comme ça qui... Tout, vraiment, cet enfant est béni. Cet enfant est béni. Ce gars de Vassero. Vous voyez des stars comme Tamé Maier, ils disent que nous, on sera là. Vous croyez qu'ils le font pas parce que Vassero est beau ou bien, ils le font parce que Vassero représente beaucoup dans notre pays. Ils connaissent la valeur de Vassero. Ils connaissent que Vassero est un freedom fighter. Et les stars comme ça aiment les artistes comme ça. Ils savent que Vassero lutte pour l'injustice dans son pays, le Cameroun. Et tous ces stars-là savent qu'ils connaissent le degré d'injustice qu'il y a dans notre pays. Et ils disent, la seule façon que nous allons faire, c'est de venir soutenir Vassero. Et c'est une très bonne chose. Moi, j'ai dit que vraiment, où que vous soyez. Moi, j'ai déjà vu les mobilisations. J'ai causé avec les gars de Nantes. Ils sont mobilisés. J'ai causé avec les gars, là, vous savez, ma grande famille est là-bas à Bordeaux. Quand je parle toujours de Bordeaux, les gens, c'est parce que j'ai ma grande famille là-bas. Et là-bas, vous avez Ziam, qui est le responsable de la mobilisation là-bas à Bordeaux, avec Mathias Penga, avec qui j'ai eu... Vraiment, les gars sont en train de mettre les voitures en route pour Paris. Et moi, je leur dis merci pour tout le boulot qu'on fait là-bas. Les gars sont mobilisés partout, que ce soit à Nantes, que ce soit à Toulouse. Hein? C'est une mobilisation terrible. En Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est alors. Alors, mais nous devons continuer à acheter les tickets. Parce que je vous ai dit, l'objectif final, c'est de faire le plein. Plein. Il faut faire le plein. Il faut quand Vassero sort, quand on le présente comme ça, il regarde la foule comme ça, il dit, mais c'est pas possible. C'est pas, attention, c'est pas n'importe qui joue au Zénith. Hein. C'est une salle mythique. Et quand quelqu'un prend le risque d'aller faire un concert au Zénith, c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui doivent venir. Et Vassero sait que nous sommes là. Le concert de Vassero n'est pas seulement pour les tontinats, C'est pour les sardinats également. Parce que ce que Vassero fait, c'est que Vassero dénonce là. Il y a beaucoup de sardinats qui aiment ce qu'ils dénoncent, sauf qu'ils ne peuvent pas s'afficher. Il y a beaucoup de sardinats qui aiment ce que Vassero fait. Tenez-vous tranquille, ils seront là. Les sardinats vont venir aussi. Donc, comme Vassero vous a dit, ce n'est pas un truc de sardinats ni de tontinats. Venez écouter en live le message de papa Vassero. Dans son Mutombo. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a des Africains qui ont promis là-bas, en France, à Paris, là-bas, ils vont venir à ce grand conseil du général Vassero. Donc vraiment, une fois de plus, je veux simplement dire merci à toute l'équipe. Je vois qu'il y a une veillée de mobilisation que la Twins fait avec l'or. C'est fantastique tout ça, vraiment, les Salomènes, les villageois du coin. Vraiment, je suis dépassé. Quand je regarde ça, je dis, mais ces enfants, c'est où vous vient la force comme ça? Mais je vous dis, félicitations. Merci. Merci, conseiller Doyen, je t'ai vu sur le terrain. Vraiment, tout ça, les colonels surtout, vraiment, je vous dis merci. Parce que ce concert-là, j'avais dit à Vassero, ce n'est pas ton concert, c'est pour nous.
Tandis que ne pense pas que c'est ton affaire, c'est notre affaire. Et le genre va se dire, mais je lui ai toujours dit, cette affaire-là, c'est pour nous, c'est pas pour toi. C'est une obligation pour nous de te rendre cet honneur-là. Tu le mérites, mon frère. Eh, Vassero, tu le mérites. Ce n'est même quand on le fait, mais ce n'est pas, si c'est une faveur, tu le mérites. Pour tout ce que tu as donné dans cette lutte, tu le mérites. Hein? Quand tu vois un gars comme le remplisseur, Jean, le maître Jean-Robert, c'est le remplisseur, c'est lui, il connaît, il a toutes les techniques pour remplir ça. Donc quand vous voyez des gens comme ça, c'est mettre au travail. Vassero, c'est pas parce que tu es beau, c'est le boulot que tu, c'est ce que tu as donné à cette lutte. C'est ça qui fait toute cette mobilisation autour de toi. On te rend ce que, donnant à César ce qui est à César. Donc ce que nous faisons là pour toi, c'est une obligation. Moi particulièrement, Capoiré, c'est une obligation. Hein? Parce que vraiment, Vassero, tu as beaucoup éveillé les jeunes dans ce pays. Ah oui, c'est toi le maître. Quand on te dit Général Vassero, c'est toi qui as initié cette affaire de musique urbaine, le rap, et tu as passé beaucoup de messages. Et les jeunes aujourd'hui, ils voient beaucoup de jeunes qui suivent ton chemin, et c'est bon. Donc vraiment, chers combattants, chères combattantes, chers Camerounais, voilà, mobilisons-nous pour faire le plein du Zénith. Mobilisons-nous absolument. C'est-à-dire que chaque jour, si tu as un peu plus d'argent, achète aussi le billet à ton voisin. Hein. Achète le billet à ton voisin si tu as un peu plus d'argent, s'il te plaît. Donc, ici, il y a des gens qui n'ont pas les dons, non? Vous pouvez acheter aussi les tickets. On a l'obligation de faire le plein du Zénith. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quand moi, j'ai acheté mon ticket peut-être à 30 livres à la Twins, par exemple, à 30 livres, et mais je donne encore une autre 30 livres à la Twins. Elle réserve maintenant un billet pour quelqu'un, elle lui donne. C'est comme ça, pour ceux qui n'ont pas les dons, non? Puisque l'objectif final, c'est quoi? C'est de faire le plein du Zénith. C'est ça qu'il s'agit. Donc vraiment, chers combattants, nous allons nous retrouver au Zénith. Nous allons nous retrouver au Zénith. Ça ne sera pas le concert. Ça sera un autre meeting. De cette fois-là, meeting en plein salle. Ouais. Donc, mais meeting dans un Mutumbu, Mami Wata, vous aurez Longue Longue qui va venir nous faire danser. Hein? Longue Longue sera là. Hein? Vous avez Chalo Dipanda, vous avez le Ninja. Le Ninja, Richard Bonac. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est toute une équipe de choc. Hein? Tous ces gens viennent donner donc le soutien à notre papa Vassero. Et vraiment, j'ai dit déjà merci pour toute l'équipe qui travaille là-dessus. Je vous tiens un coup de chapeau. Maintenant, ma conti pipo, Wogotok, quelqu'un s'en soumet tout de now. Disons, tout le Wogotok n'a pas la va dans le pays. Je vous ai dit dans mon live que les choses se précisent. Les choses sont en train d'aller très très vite. Il y a des gens qui parlaient du gré à gré. Les informations que j'ai, c'est que le gré à gré est toujours bloqué. C'est bloqué. Pourquoi le gré à gré est bloqué? Parce que ils se sont rendus compte finalement que faire ce gré à gré sera un forcing à gros risque. Ils vont forcer quelque chose qui va faire beaucoup de dégâts. Du coup, ils veulent anticiper les élections. Écoutez, ils veulent anticiper les élections au Cameroun. Pourquoi le gré à gré est bloqué? C'est bloqué parce que Kamto a mis toutes les barrières, donc tout ce que Kamto a posé comme condition, ça bloque le gré à gré. Vous voyez, il a déjà annoncé vacances du pouvoir, ça bloque le gré à gré. Il a dit il n'y a plus d'élection sans un code consensuel. Tout ça, ça bloque le gré à gré. Pourquoi? Ça bloque le gré à gré parce que ils ne pourront pas justifier pourquoi ils veulent passer à un gré à gré. Alors, sans annoncer la vacance de pouvoir. Donc, il est clair aujourd'hui que Biya ne peut plus rien, Biya n'existe plus, ils le savent. C'est clair. C'est pour ça que la mort de notre combattant Penda et Koka, ils ont voulu profiter de cette mort-là pour essayer de voir s'ils peuvent assommer, c'est-à-dire diminuer, éteindre l'image de Kamto avec ça.
Ce n'était pas une affaire au hasard, c'était bien fait. Tout ça, c'est bien fait parce qu'il est question d'éteindre l'image de Kamto. Comment faire pour éteindre l'image de Kamto? C'est ça qu'il s'agit. Le communiqué de Agir, ce n'est pas un communiqué que c'est Agir qui... C'est le régime qui passe par Agir et dit, puisque nous ne voulons pas voir Kamto à Douala avec tout le monde qui devait être derrière lui, on ne veut pas ça. Alors, pour ne pas vouloir ça, mettez déjà et commencez à interdire qu'on ne veut pas voir le MSC là-bas, on ne veut pas voir Kamto là-bas. Un Kamto à Douala, vous imaginez comment l'odeur des pendants devait être. Ça devait être, sur le plan populaire, tout un spectacle. Ça devait être la magie encore là-bas à Dedo. Donc, ils ont donc fait ça exprès. On ne veut plus voir Kamto populaire avec le peuple jusqu'à ce que leur stratégie la marche. C'est pour ça qu'il faut interdire tout mouvement du MSC. Pour le moment. Parce que quand Kamto sort, il draine des foules. On ne veut plus voir ça. Voilà une des raisons qui bloque le gré à gré. Donc, ils ont donc fait ça pour empêcher à Kamto de venir au deuil. Parce que ça devait faire de ce deuil un événement. C'est Kamto qu'on devait voir, en fait. Vous avez vu quand il est arrivé en Guaché. Donc, tout ça ne veut plus. Le pouvoir ne veut plus voir Kamto dehors comme ça avec le monde. Ce n'est pas bon pour eux. Pour leur image, ce n'est pas bon. Donc, ils ont donc fait ça, derrière le deuil de notre frère Penda et Koka, ils ont profité pour que n'importe qui vienne insulter Kamto comme il veut passer. Maintenant, c'est la concurrence pour insulter Kamto. Insultons seulement Kamto, c'est ça le problème maintenant. Celui qui insulte beaucoup, c'est celui-là que peut-être à qui on va donner plus de gombo. Donc, il faut insulter Kamto au maximum. Donc, c'est ça la stratégie maintenant. Maintenant... Ils se sont jetés dans... Vous voyez un gars comme David Tebboutou. Celui-là, dans son business qu'il a fait avec Bellinga et comment le monsieur de Vision 4, il l'avait mis en prison. C'était un business qu'ils avaient fait et ça a foiré. Bon, lui, il a arrêté de mettre en prison. Quand David sort, David en fait, c'est un sardinat. Quand David sort, il commence à faire ce que Franklin Yamsi dit là. C'est-à-dire des opposants qui viennent, ils font on va tuer, on va... Il attire donc la sympathie des combattants. Et quand il attire votre sympathie comme ça, pif, il commence à piquer un peu sur l'homme que vous voulez. Il commence à tirer sur l'homme même qui dirige la résistance. Comme ce qu'il a fait là, tirer un peu sur Kamto, tirer. En fait, il le fait parce qu'il est à mission. Vous n'avez pas vu comment son ventre est sorti? Il est déjà costaud. Quand il était en prison, vous avez vu, il était Njanga comme ça, non? Il vient à Éthiopie. Maintenant, il est déjà costaud. Donc, c'est ça. Donc, des gens comme ça, c'est des gens qui... Et ils se mettent directement à... Si on lui demande Kamto a fait quoi, il n'a pas de raison. Il ne peut pas te dire ce que Kamto a fait. Mais il tire sur Kamto. Vous voyez? Donc, c'est ça la stratégie désormais. Tirer sur Kamto seulement. On tire sur lui, n'importe qui. Il y a l'autre qu'on appelle celui, le pasteur, qui est sur, toujours sur les plateaux de télévision avec la Bible. Lui, il va mettre jusqu'à... Il tire sur Kamto. Lui qui tirait sur Fondi hier, maintenant il tire sur Kamto. Il dit que Fondi dépasse même Kamto. Donc, vous voyez, c'est ça la stratégie. Il faut tirer sur Kamto maintenant, bien même. Et ils veulent voir tous ces gens qui tirent sur lui là. Est-ce que la côté de popularité de Kamto, ils vont mesurer ça? Parce qu'il faut lancer les élections anticipées présidentielles. C'est ce qu'il faut faire là maintenant. Il faut lancer les élections anticipées. Or, est-ce qu'on va lancer les élections anticipées avec un Kamto aussi populaire comme il est là maintenant? C'est ça le point d'interrogation. Ils ont fait même jusqu'à ce que n'importe qui parle à Kamto n'importe comment. Il y a l'autre là-bas au Canada. Je ne peux même pas appeler son nom parce que lui-là, il ne m'intéresse même pas. Pour vous qui ne le connaissez pas, il est au Canada dans un village là-bas très loin. Et on m'a dit qu'il fait froid dans ce village au Canada, que partout dans le Canada. Il est là-bas. Vous lui demandez quel est son travail là-bas, il ne va pas vous dire. Il est là-bas. Mais il reste dans son foie, quand le foie le tape, il vient, il commence à dire que j'ai retiré mon soutien à Kamto. Mais attends, monsieur, je veux te rappeler quelque chose, parce que là, je le connais, moi je le connais. La malchance que les gens consomment, c'est parce que il y a des gens comme moi, à l'époque, je vous ai déjà dit, il y avait 3 journaux qui faisaient mal au Cameroun. On les appelle la Sainte Trinité, Nouvelle Expression, Messager et Challenge Hebdo. Le monsieur là a travaillé dans la Nouvelle Expression. Lui, on l'appelait chef gombo.
Le monsieur dont je vous parle là, qui est au Canada là, parce que quand vous voulez qu'on descende, qu'on vous mette dehors, on va vous mettre dehors, parce que ça ne va, ça sert à rien d'attaquer. Je vais te dire aujourd'hui, je vais vous dire certaines choses sur ce monsieur. Le monsieur qui est au Canada là, parce qu'il ne veut jamais payer son nom. Donc, il était journaliste à la Nouvelle Expression. On l'appelait chef Gombo. Le Gombo, ça dit que quoi? C'est des gens qui ont voulu tenir l'image de ce grand journal, la Nouvelle Expression. Lui, il prenait l'argent aux gens. Il prend l'argent aux gens, ils font les articles pour toi. C'était ça son travail. Il prend l'argent, il fait les articles pour toi. C'était, il connaît, il sait de quoi je parle. On l'appelait Papa Gombo. C'est ça. Hein? Comme il était un peu bon là et tout ça, et puis c'est ça, avec ça, il partait dans le lycée là-bas, chercher les femmes. L'affaire que vous avez entendu que le journaliste avait violé la femme, c'est passé à l'époque là, c'était son travail. Mais il vient là, il a le... Les gens même qui ne sont même pas un exemple même dans la société. Eux aussi, ils viennent parler à Kamto. Je dis, ce n'est même pas un exemple. Il a le courage de venir aussi parler à Kamto. Il a dit que je lui retire mon soutien. Mais il faut retirer même ton caleçon. Tu retires seulement ton soutien. Quand tu étais là-bas, là, qui savait que tu étais là? Maintenant, tu veux partir, tu dis qu'il retire son soutien. Comme si... Comme tu, ah, tu as le caleçon, lève aussi ça. Mais ça veut dire quoi tout ça? Donc, ils sont dans la même logique. Et le même monsieur dont je vous parle là, j'espère que ce n'est pas Kamto qui avait pris sa femme et fait les enfants avec lui, hein, avec elle. Hein. Je veux vous rappeler, je dis à ce monsieur, il connaît de quoi je parle. Ce n'est pas Kamto qui avait pris ta femme. Celui qui avait pris ta femme s'appelle Pierre Flambeau Ngaïap et il a fait les enfants avec elle. Toi, tu pars dans ton front là-bas au Canada, ça te tape les os, tu sors, tu dis que tu enlèves ton soutien à Kamto. Kamto, attends, quand tu étais dedans là, Kamto, tu nous avais dit. Maintenant, tout ça entre dans la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que tirer sur Kamto, comme lui, c'est qu'il est journaliste, on parle autour de lui, il faut tirer sur Kamto. On va dire que tel a parlé aussi, qu'il enlève son soutien à Kamto. Mais ça n'a aucun effet. Ton soutien là, enlève le caleçon, tu enlèves tout, même ton pantalon. Ça n'a aucun effet. Parce que l'effet recherché, c'est que est-ce que Kamto l'a diminué? Est-ce que ça diminue Kamto? Est-ce que ça diminue sa cote de popularité? C'est ça. Parce que tout se résume maintenant au Cameroun là sur Kamto. Ouais. Tout se résume sur Kamto. La politique camerounaise est résumée sur Kamto. Tout est basé sur lui. Alors, face à cette situation, face donc à cette situation, parce qu'ils font comme ça, quand ils insultent Kamto, quand nous on sort, ils disent « Oh, la meute est sortie ». Mais si vous ne voulez pas qu'on nous sorte, n'attaquez plus Kamto. Parce qu'une fois que vous attaquez Kamto, nous on va sortir. Moi particulièrement, je vous ai dit que si vous insultez Kamto, moi je veux sortir. Donc pour celui du Canada là, c'est ce que je vous ai dit là. Hmm? Celui du Canada, je vous ai dit un peu ce que lui il est là. Chef Gombo, c'est son nom. C'est vous qui êtes au Canada là. Si vous le voyez, appelez le chef Gombo, il connaît, il sait de quoi il parle. Donc vous voyez quelqu'un qui un temps on l'a même mis directeur de publication à la Nouvelle Expression. Mais il a failli mettre le journal à la terre. Il a été directeur de publication à la Nouvelle Expression. Mais c'est même du coup qu'il a failli finir son journal avec des gens comme ça. Et le gars venait là, il prenait l'argent seulement. C'était le Gombo. Donc vous voyez des gens comme ça, ils ont le courage de aussi venir parler à Kamto. Mais c'est pas sérieux quand même. Tu lui dis, Kamto, t'as fait quoi? Il ne te dit rien. Il n'est même pas un exemple. Un chef Gombo, il est un exemple. Je vous dis qu'on l'appelait chef Gombo. Gombo. C'était un gombiste. Donc l'argent. Tu lui donnes l'argent, il fait un article pour toi. Voilà les gens qui ont failli ternir l'image du journal. La Nouvelle Expression. Mais il reste dans le froid là-bas au Canada. Je sais qu'il fait froid au Canada. Mais s'il fait froid là, il fait aussi comme les gens qui vivent là-bas. C'est-à-dire que debout, tu as été protégé. Ne viens pas verser ta colère sur Kamto. C'est lui qui a même donné le froid au Canada. Et c'est Kamto qui a créé le froid là-bas au Canada. Ah, tu te sens, oh, j'enlève mon soutien, oh, j'enlève mon caleçon. Est-ce que tout ça, ça concerne Kamto en quoi? C'est pas sérieux quand même. C'est-à-dire, voilà un homme, chacun se lève, il tire sur lui. Il tire sur lui pour rien. Et personne ne peut dire pourquoi il tire sur lui. Et dans tout ça, vous voulez qu'on reste tranquille, qu'on ne regarde. Moi, on ne peut pas regarder. Si vous ne voulez pas qu'on tire sur vous, n'attaquez pas Kamto. Et surtout encore des gens qui n'ont aucune personnalité, comme ce monsieur dont je viens de vous parler, qui est au Canada là-bas, hein, que le foie vous tuer là-bas.
Mais surtout ce monsieur-là. Vraiment, Oti, quand vous le voyez quelque part, demandez-lui que toi là, tu... Ton travail au Canada, c'est quoi? Tu travailles où? Tu viens ici, le foie te tape, tu t'attaques à Kamto. Tu lui dis que tu as enlevé ton soutien. Demandez-lui que son soutien là est où? Qu'il enlève le Oti, vous lui demandez qu'il enlève le caleçon. Que le soutien est petit. Soutien. Les hommes portent, il y a le soutien. J'enlève mon soutien. Si tu es aussi déjà dans le truc là qu'on connaît, dis aux gens, ne dis pas seulement j'enlève mon soutien. Tu peux être aussi dedans, qui connaît? Moi, je ne sais pas, il ne peut pas dire que tu es dedans, mais... Si tu dis que tu enlèves ton soutien, moi, je sais que c'est les femmes qui portent les soutiens. Si toi, tu peux y avoir ça, dis aux gens que tu portes soutien. Mais c'est ça qu'il s'agit. Ma compte pipo. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Donc, alors, il y a donc ce genre des individus comme ça qui se mettent là, ils viennent raconter des histoires sur, Paracamto comme ça, pour rien. Et parce qu'ils savent que Paracamto ne va jamais leur répondre. Et si Paracamto ne va jamais répondre, nous, on ne va pas laisser ça comme ça. Si Paracamto répond, nous, on va répondre. Nous, on est là pour répondre. La meute est là pour répondre. On ne va pas laisser quelqu'un s'attaquer à notre Paracamto. Parce que je vous ai dit que c'est lui, Paracamto, la solution actuellement. Là. Il faut resserrer les rangs derrière Paracamto. C'est ça qu'il s'agit. Et je vous ai dit aux gens du MRC, sachez que le projet de créer un MRC progressiste est toujours là. Hein. Ce projet n'est pas encore mort. C'est toujours là et c'est même très actif. Donc, il y aura beaucoup de surprises avant toute élection au Cameroun. Parce que Paracamto a dit, code électoral consensuel. Or, dans ce code électoral consensuel que vous entendez là, il y a les inscriptions sur les listes électorales. Je vous ai dit ça ici dernièrement. Moi, je ne crois plus à ces élections. Hein, parce que si tout ce que Paracamto demande là n'est pas respecté, ça ne vaut pas la peine. Vous partez dans quelle élection? Je vous ai expliqué la dernière fois comment les élections se passent au Cameroun. Et je vous ai seulement expliqué une petite partie. C'est les 1 million que je vous ai expliqué. Même aujourd'hui, je vous ai expliqué encore une autre petite partie concernant dans ce code électoral consensuel. Je prends la partie électorale. On dit par exemple que il faut bulletin unique. Le bulletin unique là qu'on dit c'est quoi? Le bulletin unique ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque il y a élection, il y a les bulletins comme ça. Chacun a son bulletin. Il y a le bulletin des pauvres, il y a le bulletin des Kamto, il y a le bulletin des ceci, il y a le bulletin de tout le monde. La fraude à ce niveau se passe comment? Lorsqu'il y a des bureaux de vote où vous arrivez, quand vous arrivez, il n'y a pas le bulletin de Paracamto. Parce qu'on sait que c'est lui le favori. Il n'y a pas ce bulletin de vote. Et dans certains bureaux de vote, si c'est un scrutateur, donc ceux qui représentent les partis politiques dans ces bureaux de vote, s'ils ne sont pas aussi courageux, ils vont le laisser et on va faire le vote sans le bulletin de Paracamto. Dans certains endroits, vous allez venir dans certains bureaux de vote, on va mettre tous les bulletins sont là. On sait que c'est Paracamto le favori. S'il y a 500 bulletins pour chaque candidat, pour Paracamto sera 200. Or, si le scrutateur n'est pas vigilant pour savoir que les bulletins-ci ne sont pas égaux, c'est-à-dire que le RDPC a 500 et l'autre a 500, mais Paracamto a seulement 200. S'il n'est pas vigilant pour dire non, stop, on ne peut pas voter ici tant que les bulletins-là ne sont pas égaux. Donc, ces bulletins doivent mettre 500 partout. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, pour donc éviter tout ce que je viens de vous dire là, il faut donc le bulletin unique. Bulletin unique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous venez, on vous donne un seul bulletin. Et dans le un seul bulletin là, vous avez la photo de tous les candidats sur ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Tu prends seulement ton bic, tu coches tchac. Comment on fait ça en Europe? Tu coches seulement le parti que tu veux voter. Tchac. On a épargné la fraude à ce niveau. C'est épargné. On épargne. Et c'est pour ça, le RDPC, ils savent que ça, c'est autant de choses. Ça n'est qu'une partie de fraude que je suis en train de vous expliquer. Donc, il faut un bulletin unique.
Parce que le jour du vote, quand toi, l'électeur, tu viens, on te donne ton bulletin unique, tu vas dans l'urne et dans l'isoloir d'abord, tu coches celui que tu veux cocher, tu coches à l'époque quand tu es coché, tchac, tu viens mettre là, tu sors. C'est tout. Tu n'as plus rien à mettre dans la poubelle. Donc, parce que quand il y a plusieurs bulletins, tu votes et ce que tu n'as pas voté, tu mets ça dans la poubelle. Alors, comment est-ce que la fraude se passe en ce moment? Quand il y a plusieurs bulletins. Quand il y a plusieurs bulletins, on vous dit, celui qui vient avec le bulletin de Pakamto, on lui donne 10 000. Donc, on veut s'assurer que vous n'avez pas voté pour Pakamto. Donc, quand on vous donne le bulletin, on dit, celui qui vient avec le bulletin de Pakamto, on lui donne 10 000. Tellement, ils combattent Pakamto au pont. Ils disent qu'on veut, c'est son bulletin qu'on veut voir. Puis c'est lui le candidat favori. Et ils vous disent qu'allez voter le RDPC, mais venez d'enlever le candidat Pakamto. On veut seulement le bulletin de Pakamto. Et quand vous venez avec ça, on vous donne 10 000. Le jour du vote, il y a quelqu'un qui est là avec un pactole d'argent comme ça. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vu. Pactole d'argent, vous venez, vous dites, voilà pour le SDF. On vous donne l'argent, vous partez, c'est comme ça. Pour éviter donc tout ça, il faut donc bulletin unique. C'est pour ça, quand on dit, voilà une... Ça, ce n'est qu'une autre... C'est un exemple que je vous donne hein, pour le code électoral consensuel. Bulletin unique. Maintenant, il y a encore, dernièrement, je vous ai parlé des inscriptions sur liste électorale. La loi dit que 3 jours avant les élections, je dis bien 3 jours avant les élections, tout le monde doit savoir où est-ce qu'il doit voter. Donc, on dit qu'il y a vote à l'école publique de Tinga. Quand tu passes à l'école publique de Tinga 3 jours avant les élections, tu dois voir ton nom affiché là. Ça, c'est autant de choses que... Et quand tu ne vois pas ton nom, il faut immédiatement aller à la sous-préfecture. Ça doit être rectifié. Là. On doit te donner... C'est la loi qui dit, hein. On doit s'assurer que ton nom est dans la liste électorale. Mais toutes ces choses-là, ça ne peut se faire que lorsqu'on a une véritable commission électorale indépendante. On ne peut pas le faire dans des conditions que nous sommes là aujourd'hui où... Et il faut bien qu'on retire le pouvoir dans cette histoire qu'on appelle l'ECAM ou bien quoi là. Vous savez pourquoi il faut le retirer le pouvoir là? Parce que quand le vote se passe, quand on a signé les procès verbaux là, quand on a signé ça c'est le résultat des élections. On n'a plus besoin de dire à l'ECAM que quand tout. Parce que le RDP se fait comment? Pendant le vote. Les procès-verbaux sont déjà signés. Et ils vont maintenant faire pour eux. Donc, ils contre-signent partout. Ils donnent ça à l'ECAM. Vous, les partis politiques, vous avez vos procès-verbaux avec vous. Ça prouve, et vous avez tous les résultats. C'est pour ça que Pakamto dit, j'ai gagné les élections. Parce que tous les bureaux de vote dont il y avait les représentants, quand on lui donne les résultats, il compare même avec ceux qui n'ont pas encore eu. Parce que, tenez-vous tranquille, on donne tout, dans tout l'étendue du territoire, vous avez le nombre de votants. Vous avez tout. Donc, avec les résultats que Pakamto avait, il peut savoir déjà que même si ici on veut le RDPC à 100%, je gagne toujours. Donc, quand Pakamto avait dit « j'ai gagné », c'est parce qu'il avait ses procès verbaux avec lui. Maintenant, comme la loi dit que non, ce n'est pas vos procès verbaux là qui comptent, c'est pour l'ECAM. Oh, l'ECAM, c'est qui? C'est RDPC. Donc, l'ECAM vient seulement dire, non, voici les vrais résultats. C'est pour ça que, quand vous voyez quelqu'un comme Alain Fogué, dit, où sont les 32 PV, les signatures des 32? Effectivement, ils n'ont pas pu montrer les 32 PV. Parce que ce n'était pas signé. C'était des faux trucs qui sont allés fabriquer. Ce n'était pas signé. Les 32 PV là. Or, tout ça pourquoi? Parce que l'ECAM, lui, vient vous donner son résultat. Il vous dit, voilà le vrai résultat, allez, dégagez devant moi. Donc, voilà autant de choses que si ce n'est pas mis en place, oubliez les élections au Cameroun. On ne peut pas, et puis même ces élections-là, ça doit être avec une commission véritablement indépendante.
C'est même que les élections qu'on part et qu'on ne connaît même pas le nombre de la population camerounaise. Si vous avez dit que les Camerounais ne savent même pas. Si on dirait quand vous êtes comme chacun dit 28 millions, 31 millions, 25 millions, personne ne peut vous donner le chiffre exact. Parce qu'il faut faire un recensement général dans ces pays. Je vais vous prendre un exemple. Pourquoi le RDP dit souvent que nous avons, on dit majorité obèse? C'est normal. En 2006, Yaoundé deuxième, où moi j'étais, la population de Yaoundé deuxième était près de 500 000 habitants, c'est-à-dire près d'un demi-million d'habitants. Et c'était l'arrondissement la plus peuplée de toute la province du centre et du sud. Donc, tout le sud là n'atteignait pas Yaoundé deuxième. Mais comment expliquer que Yaoundé deuxième avait un seul député et le sud avait 11 députés? Comment vous expliquez ça? Mais quand vous comprenez qu'ils ont la majorité à l'Assemblée. Mais voilà autant de choses qu'on doit dénoncer. Le nombre de députés est proportionnel au nombre d'habitants. Mais je vous dis que Yaoundé deuxième avait en 96, Yaoundé, quand j'étais au pays, quoi. Non, puisque j'étais secrétaire à l'organisation, j'avais toutes ces statistiques-là avec moi. On était près d'un demi-million d'habitants. Et toute la province du Sud n'atteignait même pas. J'ai dit, mais attends, toute la province du Sud n'atteignait même pas la moitié de la population de Yaoundé deuxième. Même pas la moitié. Mais la population du Sud avait au total 10 députés et l'arrondissement de Yaoundé 2 avait un seul député. Allez donc voir comment ça s'est passé à Douala. Douala qui est la ville la plus peuplée du Cameroun. Quand tu comptes le nombre de députés là-bas et tu comptes pour le Sud, donc voilà autant de choses que j'ai dit. Si ce n'est pas réparé, oubliez les élections. C'est quelle élection que vous partez? J'entends les gens sur le plateau de télévision dire que non, on peut prendre, il faut aller aux élections. C'est pour ça que Pakamto a piégé ces gens. La stratégie de ce régime, c'était d'enterrer le MSC pendant les élections municipales, législatives. Là. Il fallait enterrer MSC définitivement. Si le MSC partait à ces élections, on les enterrait définitivement. Mais Pakamto, intelligent qu'il est, l'a dit, je ne parle pas. Rien n'a fait mal au RDPC. Que cette réponse que Pakamto avait donnée. Et c'est ça qui a donc fait que les gens comme certains jamais allaient mourir. Hein? Ça, il a été obligé seulement d'aller prendre sa part. Hein? Ils étaient fâchés, les Mendoké et tout ont été fâchés pour ça. Parce que pour eux, ils avaient trouvé un job, partir aux élections et puis avoir les postes. Mais Pakamto leur a dit qu'écoutez, si quelqu'un est venu ici pour les postes, il peut partir. Et c'est comme ça. C'est comme ça un leader. Il a dit, il n'est pas là à la rue. Si quelqu'un est fatigué, il vient pour les élections, qu'il parte. C'est pour ça que nous devons resserrer les rangs derrière ces messieurs. Nous devons resserrer les rangs derrière Pakamto. Si quelqu'un attaque Pakamto et toi, tu ne te lèves pas pour le défendre, tu causes un tort pour notre pays. Parce qu'il est l'espoir aujourd'hui de ce peuple-là. Ah oui? Je vous avais dit ici que Pakamto avait soutenu le SDF. Vous rappelez-vous, je vous avais dit ça. Vous avez vu le journal, il y a un journal qui est sorti, je vois ça en ligne là. Quelqu'un a posté ça. Vous voyez bien, Maurice Kamto demandait de voter pour le SDF. Ça, c'était depuis longtemps, je vous avais dit. Parce que Kamto, j'ai dit bien, je ne le connaissais pas, mais il finançait le SDF. Il finançait nos meetings. On envoyait les gens aller chez lui. Il donnait sa part de contribution. Les 200 000, les 100 000, les 300 000. Pour qu'on organise les meetings. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que le SDF aujourd'hui ne veut pas soutenir Kamto? Si on demande à Fondi que pourquoi, donne-nous une raison pourquoi tu ne soutiens pas Kamto. Il ne soutient pas Kamto tout simplement parce que le pouvoir lui dit écoute, tu ne dois jamais soutenir Kamto. Fais tout, ne soutiens pas Kamto. Si tu fais ça, en tout cas, tu sais qu'on t'a en main comme ça, non? Tu t'es tenté, ça, tu es mort. C'est pour ça que nous avons tout le devoir aussi de donner notre soutien à Jean-Michel Nitieu, qui reste l'homme qui a pris le SDF aujourd'hui dans la zone francophone et il est maintenant un allié objectif.
de Pakamto. Depuis qu'il a dit qu'il soutient Pakamto, ça met le SDF en difficulté. Mais le SDF aujourd'hui est fini. C'est fini pour ce parti. Les fédéralistes ont dit ne pas aux élections. On ne voulait pas qu'il ait aux élections. Il est parti. On ne parle même plus des ambazoniens qui ils disent que Founi ne nous a jamais soutenus. Donc, tout le combat des anglophones, que ce soit les fédéralistes ou bien les ambazoniens, Founi n'a soutenu personne. Donc, il a tué son parti seulement lui-même. Il sait que le parti là est fini. Il sait que dans la zone anglophone, c'est fini. Lui-même, il sait que les partis, les leaders, les futurs leaders de ce parti sont en prison. Agbobala, Mathieu Bibisi et Ayoutabe, voilà les futurs leaders. Donc, si ce gars-là crée n'importe quel parti, parce que cette guerre-là va finir un jour, si ce gars crée n'importe quel parti aujourd'hui dans le sud-est et le nord-ouest, les anglophones vont adhérer là-bas. Donc, le SDF, c'est terminé. Maintenant, la question que je me pose alors, nous qui avons tout donné à ce parti, les gars de la zone anglophone, de la zone francophone, donc, parce qu'aujourd'hui, pour vous dire vrai, ce parti n'existe que dans le littoral, et ça n'existe que dans le littoral grâce à Jean-Michel Nietzsche. Point. Alors, Jean-Michel Nietzsche, maintenant, à ton tour, tu dois prendre tes responsabilités. Parce que Fondi t'a montré que il a tué ce parti. Est-ce que toi, tu vas donc tuer le parti? Parce que lui, Nietzsche, Fondi n'est plus là. Il n'est plus là, c'est fini. Il sait que le parti est fini. Donc, toi, tu fais comment? Le parti est dans le littoral et c'est toi qui tiens le parti dans le littoral. Alors, donc, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu ne dois pas faire tuer ce parti. C'est toi, maintenant, le leader de ce parti. Fondi ne contrôle rien. Fondi connaît. On ne le veut nulle part, il le sait. Ça, c'est mon ancien parti, je connais. Moi, je suis quitté là-dedans quand Fondi a commencé ses manœuvres de soya. Quand il a commencé à chopper le soya, j'ai compris que ce monsieur était dangereux. Et le soya là, j'ai vu quand je suis allé habiter là-bas, quand on voulait me tuer, j'ai habité chez lui. Et j'ai vu tout le soya là devant moi, les gens qui venaient donner le soya. Donc, je connais tout, je connais beaucoup. Donc, le parti reste maintenant qu'à Douala. Et Jean-Michel Nietzsche, ta position que tu as donnée, que tu soutiens les idées de Pakamto, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, même, j'ai vu les militants du SDF sur les plateaux, ils ont dit que même si on soutient le MSC, ça fait quoi? Ils ont raison. Ils ont raison. J'ai vu le deuil de notre combattant par Penda et Koka. J'ai vu que c'était la réunion des combattants de Aide-moi à détester Kamto. Ils se sont tous réunis là-bas. Les Joseph, on avait ses amis, les Mapam, les Tapa, tous étaient là. Pour dire que tous les problèmes, c'est. L'autre est même parti. Jamais lui, pour lui, c'est son ventre. Tellement il aime la nourriture au point où il va là-bas, il ne sait pas comment il va faire pour galvaniser les gens. Il étudie le nom de Kamto seulement. Mais manger sans appeler le nom de Kamto, non, Jamais. Ah, que? Il faut manger. On sait que ton travail, c'est manger. Mais mange, tu n'es pas obligé de parler de Kamto dans un deuil comme ça. Il faut manger sans appeler son nom. Il a dit qu'il n'est pas possession. Tu veux mourir. Tu prends son nom même au deuil. Tu apportes parce que tu la nourriture. Donc, cher combattant, pour surtout les gens du MSC, soyez vigilants. Soyez vigilants. Quand j'ai dit serrons, resserrons-nous autour de Pakamto. Je ne suis pas du MSC, je vous ai déjà dit. Mais je vous ai dit que resserrons-nous autour de Pakamto. Parce que quoi? Parce que Pakamto, comme je vous ai toujours dit, c'est la solution. Quand ils vont lancer leur parti là, des MSC original, là, MSC progressiste, c'est-à-dire qu'ignorez-les. Parce qu'ils vont faire ça. Ignorez-les seulement. Et ils vont échouer. Ils vont seulement échouer. Ils ne vont pas réussir. Tenez-vous tranquille, ils ne pourront pas réussir. Vous les abandonnez dans leur projet. Restez, concentrons-nous sur Pakamto. Écoutons ce que Pakamto nous dit. C'est tout. Voilà le conseil que moi je donne à vous, les gens du MSC. Vous suivez le pouvoir va les soutenir. Mais le soutien sera seulement zéro suivant. Parce que le pouvoir va se rendre compte que la masse critique est avec Kamto. Il n'y a que ceux qui vont se dire que nous sommes les cadres du parti. Ils veulent y partir. Je vous ai dit la dernière fois ici, s'ils veulent y partir tous, ça ne dérange pas. Restez avec le parti, c'est que Pakamto dit. Nous, on le soutient. Vous, maintenant, dans le parti, ça va être la base pour que la base... D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont plus peur de la base. C'est la base qui fait le parti aujourd'hui.
C'est la base du MSC qui fait le parti. Ce n'est pas les gens qui ont dit que les cadres là, tout ça. Si vous voulez tous les cadres là, partez. Partez. Et nous, les gens qui ne sont pas du MSC, qui soutenons les idées de Pacamtu, nous allons vous soutenir dans ce projet-là pour que Pacamtu reste toujours égal à lui-même et que le parti de Pacamtu ne tombe pas. Parce que si vous attaquez le parti du leader, mais c'est que vous avez tué la lutte. C'est que vous voulez tuer la lutte, c'est tout. Attaquer le leader veut dire attaquer la lutte. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas attaquer la lutte, mon frère. Et vous voulez qu'on vous laisse comme ça. Non. Toute lutte a un leader. Mon frère. Mandela était en prison. Il était toujours le leader. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il est même mort. Mais c'est devenu un symbole pour l'Afrique du Sud, mon frère. On ne s'attaque pas au leader. On ne s'attaque pas au leader. Le leader, c'est quelqu'un qui doit... Il est là. Et encore un leader comme Pacamtu, qui n'est même pas en train de faire le wayo-wayo dans le combat. Vous vous attaquez à lui et vous croyez que... Non, n'acceptez pas. Je vous ai déjà dit, si vous perdez, si nous perdons par Pacamtu, sachez que c'est parti en commun pour 500 ans. Vous croyez que c'est facile d'avoir un leader? Ce n'est pas facile. Hein? Vous connaissez après combien de temps on a fait pour que John Fundi vienne? Après le Oumnyobé, calculez un peu. Vous allez voir à quel moment John Fundi est sorti. Et voilà par Pacamtu qui sort. Mon frère, il ne faut pas que ce qui est arrivé à Oumnyobé arrive à Pacamtu. Donc nous avons le devoir de le protéger. Nous avons le devoir de le protéger. Ah oui, s'il est debout là, c'est parce que nous sommes là. Hein. Il sait qu'il a un soutien. Or, le pouvoir maintenant, c'est comment faire pour faire descendre ce soutien que Pacamtu a. Mais ils vont faire comment? C'est pour ça qu'ils ont trouvé une facilité, le tribalisme. Mais... C'est le mal même dans toute cette histoire, c'est que quelqu'un me demande de me justifier pourquoi je soutiens Pacamtu. C'est-à-dire que parce que je suis Bamleki, Pacamtu est Bamleki, je dois me justifier. Vous ne voyez pas que c'est une insulte? Vous ne voyez pas que tu m'insultes? Je dois me justifier pourquoi je soutiens Pacamtu. Alors que hier, j'ai soutenu Fundi, vous ne m'avez jamais posé la question pourquoi je soutiens Fundi alors qu'il n'est pas Bamleki comme moi. Vous n'avez jamais posé la question à quelqu'un, à mes grands-parents, pourquoi vous avez soutenu Oumnyobé alors qu'il n'était pas Bamleki comme vous. Vous n'avez... Mais c'est quelle maladresse ça? C'est ça qui me fait souvent mal. C'est-à-dire que vous venez, vous voulez que je dois me mettre au tribunal, je dois me justifier. Parce que je suis Bamleki, quand tu es Bamleki, je dois me justifier. Mais si quelqu'un vous pose une question comme ça, vous avez moyen, il faut le gifler. Donnez-lui une claque. Parce que cette personne-là, s'il ne dégageait pas devant moi, il prenait sa part. C'est pas possible. Mais pourquoi pour Pacamtu est difficile? Pour Pacamtu est difficile parce que il devient un obstacle pour les intérêts français, pour les intérêts de l'Engongo, tous ces gens qui sont au pouvoir. Oh, les Fundi avaient fait ce qu'ils avaient fait, mais sauf qu'ils n'avaient pas l'intelligence, la sagesse que Pacamtu avait là. C'est pour ça qu'on les avait un peu négligés. Et puis, mais ils ont vu que... Pour vous dire, ouais, Fundi a fait à son niveau. Hein. Vraiment, il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il pouvait seulement trahir comme il a fait là. Mais sauf que les gars, si ont trouvé garçon, ils ont trouvé garçon. Et c'est pour ça que je suis content. Je peux dormir tranquille parce qu'il y a garçon en face. Comme tous ces garçons. Donc vraiment, attachez-vous derrière votre leader. Ne le lâchez pas. Tout ce que les gens vont parler là-dehors, insulter, machin, truc... Concentrez-vous sur votre leader. C'est le nouveau boulot qu'on leur a donné. On leur a donné un nouveau boulot. Attaquez-vous à Pacamtu. Essayez de faire voir si vous pouvez même le diminuer. Si vous pouvez détruire ces messieurs. Ils ont oublié quelque chose. Même le tuer, vous ne pouvez pas. Si vous voulez me tuer Pacamtu, vous ne pouvez pas. Parce que l'heure est arrivée. Il faut les élections au Cameroun. Pobia n'existe plus. Il faut les élections. Le gré à gré est mort. C'est mort. Ils vont faire comment pour faire ça? C'est mort. Et maintenant, de l'autre côté, il y a la bagarre là-bas pour le pouvoir. Ngongo est là, il sort un article, il sort les décrets, haute instruction du chef de l'État pour le directeur du port, qui est ami aussi à... comment il s'appelle? Au ministère de la Justice. Lui aussi, il sort aussi sa part des décrets. Donc, c'est la guerre entre eux. Mais nous, on est là, on est seul. Comme toi, observe seulement. Faites toute cette guerre-là, vous venez me trouver ici. Quand vous voyez quelqu'un comme Mebara, il sort une lettre
pour faire des éloges à Kamto. Et Mbabane, ancien secrétaire général de la présidence, il sort une lettre du fond de sa prison pour donner son soutien à Kamto. Vous croyez que c'est tout le monde qui déteste Kamto? Il y a des gens là, les Mbabane, qui disent que jamais, ce monsieur, c'est l'homme de la situation. Comme vous, et il connaît tous les... C'est quelqu'un du système, non? Il a travaillé dedans, il connaît comment ça marche. Il est en prison, mais il connaît tout ce qui se passe. Quand lui sort, pourquoi sa lettre sort maintenant? Sa lettre sort maintenant parce qu'à un moment dans la vie, on est obligé de dire la vérité. C'est ça. On est obligé de dire la vérité. Il sort sa lettre et ça casse toujours la dynamique. La lettre de quelqu'un comme Mbabane, ça vient casser la dynamique des gars là. Il dit, mais Mbabane a sorti un truc. Oh, ils savent, lui, Mbabane connaît. Il connaît tout ce qui se prépare. Tout est résumé sur la tête de Kamto. C'est lui le blocus. Et vous, il est incontournable. Il est incontournable. Vous montez, vous descendez. Vous n'allez que faire ce qu'il vous demande. Oui. Sinon, le Cameroun, là, sera comme vous avez. Vous dites que les ambassadeurs sont en train de faire quoi? Ça ne sera plus Kamto. Hein? Non. C'est pas ce que les ambassadeurs font là. Vous allez voir le feu. Pas ce que les ambassadeurs font là. Vous allez voir. Ce n'est pas Kamto qui va faire. Lui, il a dit qu'il veut la paix, non? Vous croyez que c'est tout le monde qui veut ça? Vous mentez. Vous mentez. Vous allez trouver les autres une autre solution. Vous croyez qu'on va vous laisser comme ça et vous blaguer avec le pays comme ça? Non. Actuellement, l'heure, c'est là. Non. On ne va pas vous laisser. Vous dites que nous sommes les enfants de Macky Sall, non? On va vous montrer que nous sommes... Parce que nous sommes calmes, là, vous êtes sûr qu'ils ne peuvent rien. On est les enfants de Macky Sall. Vous allez voir. C'est ça qui est la vérité. Donc vraiment, ma Conti Pipo, une fois de plus, mobilisons-nous pour retrouvons-nous tous à Montréal. Pour ceux qui sont au Canada, vraiment mobilisez-vous, retrouvez-vous tous à Montréal. Et puis le grand rassemblement du Zénith, c'est que manon manqué, personne ne doit manquer. Personne ne doit manquer le Zénith. Nous devons tous être au Zénith. Personne ne doit manquer. Vous aurez même la surprise d'ici quelques temps. Je ne peux pas encore vous dire, parce qu'il y a des personnalités qui arrivent encore que si tu n'as pas encore acheté ton billet, si tu achètes quand le Zénith est à plein, tu vas voir ça que ce grand écran est en dehors. Achète ça maintenant, parce qu'il y aura des grandes surprises là-bas. Il faut acheter ton ticket maintenant. So, ma compte pipo, agolé vouna, na kapoua grillé, abidon, c'est ibifan, c'est mon autox, mon, me goutolis, mon, faut s'y casser. Abouangi, on a dit souvent information. Faudan, boyo, boyo, people, then we, then do on side, we, then say, they want attaqué par Kamto. We say no, on a no attaqué par Kamto, jamais. On a no fait attaqué par Kamto tant vous voulez, jamais. On a no fait attaqué par Kamto tant vous voulez, par Kamto n'a man faux situation, just non, on peut pas s'amuser avec lui. So, ma compte people, I love you too much, and then, La capoeira grillé, adigo, adigo, we go meet again next time. Bye bye. C'est la fin pour cette vidéo. Avant de quitter, cliquez sur le pouce pour liker si vous avez aimé. Partagez-la sur vos pages dans les réseaux sociaux et laissez-nous votre commentaire sur le sujet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous avez juste besoin d'un clic pour vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.